Et salut à tous, c'est BigBossLC. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo sur GTA V pour un easter egg. C'est la trappe sous-marine. Cette trappe fait référence au fait à la série américaine Lost. Cette trappe, je l'ai découvert en baladant pour récupérer tous les objets nucléaires. Enfin, tous les déchets nucléaires dans l'océan. J'espère ne pas me faire tuer par la police parce que je les ai un peu énervés. Ouais, un peu, il y a quand même 4 étoiles. Donc voilà, je largue mon sous-marin. Parce que j'irai pas jusqu'à la trappe avec un hélico. Ça, c'est certain. Donc voilà. Je vais récupérer le sous-marin avec Trevor. Et je vais endamer la plongée. Et voilà. Bon, je vais sûrement les semer, ils vont jamais me suivre dans l'océan. Voilà, je me dirige vers la trappe sous-marine. Je vous mets le petit emplacement. Voilà. Donc vous voyez, ici on a l'aérodrome de Trevor. Ici on a un petit creux dans les rochers. Et la trappe sous-marine se trouve juste là où j'ai placé le point de repère. Voilà. On peut y aller. Quand on s'approche de cette trappe, on entend taper, comme si quelqu'un tapait sur la trappe, et c'est du morse. Bon, je ne connais pas le morse, alors j'ai fait un petit peu de recherche là-dessus. Et il y a deux versions. L'une dit que le code en morse qu'on entend veut dire SOS. Et d'autres disent que le code en morse fait une référence à GTA 4 qui dit « Salut Nico, on se fait un bowling ». Je ne sais pas laquelle est vraie. Pour moi, bah, les deux se tiennent parce que SOS, ouais, c'est possible. « Salut Nico, on se fait un bowling », ouais, il y a plein de références aux anciens GTA. Donc vous voyez ici, juste en dessous, on a la trappe. Pour bien entendre, je vais m'approcher en tenue de plongée. Et je vais mourir, malheureusement, parce que c'est la profondeur maximale. C'est au-delà. Voilà, je suis mort bêtement. Mais ce n'est pas grave, vous avez un petit peu entendu ce que je vous ai raconté avec le code morse. Comme quoi, je ne raconte pas de bobards. Je n'ai jamais prétendu raconter des bobards en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao !